sur tout TV Africa, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatingo. Nous démarrons ce bulletin d'information avec le Niger. C'est une discussion franche et sans langue de bois dans un entretien accordé à la télévision nationale Télé Sahel ce 30 septembre. Le nouvel homme fort du Niger, Abdourahmane Tiani, a réagi à l'annonce de départ des forces militaires françaises du sol nigérien. Abdourahmane Tiani est revenu sur les raisons qui ont poussé le CNSP à exiger le départ des forces françaises et a indiqué que dorénavant, les relations avec la France seront dictées par le peuple nigérien. L'armée française, qui contrairement à ce que pensent les gens, était présente au Niger depuis les années 2010, se vante d'aider le Niger dans la lutte contre l'insécurité, ce qui n'est pourtant pas le cas, car sinon l'insécurité n'aurait pris de telle ampleur dans notre pays. Non seulement ils n'ont pas chassé les terroristes, mais les terroristes sont de plus en plus nombreux. L'ambassadeur français est parti il y a quelques jours. Les soldats français suivront bientôt sa trace. Plaise à Dieu, ils vont quitter le Niger. Les ressources du Niger appartiennent au peuple. Il y a des amis prêts à nous aider dans une politique gagnant-gagnant dans le respect mutuel. La reprise de notre coopération avec la France dépend du peuple souverain. La colonisation est terminée, a laissé entendre le président du CNSP. Le général Abdourahmane Tiani a également saisi l'occasion pour fustiger la CEDEAO pour ses sanctions prises contre son pays sans penser à la population nigérienne et qui menace également d'une intervention militaire. L'échec des opérations françaises au Sahel a déjà été pointé du doigt à de nombreuses reprises. Cette situation a poussé plusieurs pays, notamment le Mali, le Burkina Faso, à mettre les forces françaises à la porte. Début août, les autorités nigériennes avaient également accusé la France d'avoir libéré des terroristes prisonniers. Ces assaillants auraient ensuite participé à une réunion pour planifier des attaques dans la zone des trois frontières. Tout en faisant pression pour la démocratie, nous, la CEDEAO, devrions également commencer à réexaminer nos relations avec l'Occident, en particulier les relations entre les pays francophones et la France. Il ne s'agit pas de soutenir les poutistes ou de soutenir ceux qui sont contre la France. Il s'agit de solutions. Il est temps de trouver des solutions sur la manière dont seront les relations entre la France et ses anciennes colonies, car si les relations restent les mêmes, nous continuerons à avoir des problèmes. C'est la déclaration du président du Parlement de la CEDEAO, Sidi Tunis. Il estime que la vague des coups d'État en Afrique de l'Ouest ces dernières années avait mis en évidence le défi du néocolonialisme. Sidi Tunis indique que la CEDEAO doit prendre ses responsabilités et réexaminer ses relations avec la France. Ces dernières années, la CEDEAO est fortement critiquée sur le continent. Les populations estiment qu'au lieu d'être la CEDEAO des peuples, l'institution est devenue la CEDEAO des dirigeants qui marginalisent leur peuple en s'éternisant au pouvoir. Les populations de l'Afrique de l'Ouest estiment également que l'organisation ne sert que les intérêts des Occidentaux, en l'occurrence ceux de la France. Au Niger, plusieurs centaines de personnes se sont de nouveau regroupées devant la base militaire française ce 1er octobre 2023. Ces manifestants exigent le départ immédiat des 1500 soldats français. Cette manifestation organisée par les organisations de la société civile nigérienne a été également l'occasion de célébrer le départ de l'ambassadeur de France, Sylvain Ité. Cette victoire n'est pas, si l'on veut, une victoire totale de cette révolution. Ce n'est que le début. Nous appelons toute la population nigérienne à se mobiliser jusqu'à ce que le dernier soldat français quitte le Niger, a indiqué un manifestant. De son côté, l'ex-ambassadeur de la France, Sylvain Ité, a indiqué dans un entretien dès son retour à Paris qu'il est aimé par la population nigérienne et que le discours anti-français du CNSP est loin d'être la réalité. Les opérations de reconquête du territoire se poursuivent au Mali. Ce 1er octobre 2023, la localité de Bamba, dans la région de Gao, a été théâtre de combats intenses entre les forces armées maliennes et les terroristes. Quelques semaines après l'attaque contre la ville de Bamba et le bateau Tombouctou, l'armée a neutralisé une cinquantaine de terroristes. Selon les informations, ces assaillants harcèlent et mènent des attaques contre les populations. Pour l'heure, le bilan de cette opération reste inconnu. Le 27 septembre 2023, les forces armées maliennes ont repoussé une attaque terroriste complexe d'envergure à environ 35 km au sud-ouest de Tombouctou.
L'ambassadeur du Nigeria au Niger, Mohamed Ousmane, vient de démentir les allégations selon lesquelles les militaires au pouvoir au Niger ont refusé le survol de l'avion du président Bola Tinubu dans leur espace aérien. L'ambassadeur nigérien a indiqué que le président Bola Tinubu est rentré à Abuja au Nigeria ce 29 septembre 2023 après avoir assisté à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York sans problème. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin d'information. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. When I lift up my voice, all I sing is a joyful song. Plus, ça a une très belle voix. Tu sais ce que ma femme aime le plus chez elle? C'est sa beauté, surtout la clarté de sa peau. C'est quoi son secret, ma? Allez. Ah, mais ouais, on m'a bien. Toi aussi, est-ce que je peux lui demander ça? J'ai tout écouté dans mon casque. Voici mon secret. Peau d'ange. Donne ça à ta femme. Elle aura le même éclat que moi. Ah mais, je sens bien. Pour une peau sublime et soyeuse, choisissez Peau d'ange, le savon de l'élégance. Peau d'ange, en vente partout.